Nom de code Amaja. Les révélations de la naissance d'un nouvel univers et la lignée du Graal. L'aventure se précise. Au-delà de notre univers connu, dans les dimensions infinies des multivers, un super-univers interagit avec le nôtre. Alors d'étranges anomalies, de curieux géoglyphes se manifestent dans le territoire sacré de la France et bientôt débordent sur le monde. Ce nouveau horizon événementiel annonce-t-il une ère des miracles avec son lot de révélations extraordinaires et de métamorphoses sublimes? Nous vous proposons de continuer ces révélations dans une deuxième partie où vous pourrez aller plus loin et comprendre l'ensemble des informations proposées. Refaisons le voyage. En revenant en Provence, Sud-Est, vous voyez, nous faisons sans cesse des allers-retours. Sur un site extraordinaire dont nous allons parler tout à l'heure, dont nous avons déjà parlé, qui est un site extraordinaire, qui s'appelle Notre-Dame de Dromont, près du village de Saint-Géniaise, pas très loin de Sisteron, dans les Alpes d'Haute-Provence. Et c'est un lieu, dans le temps ancien, on appelait Théopolis. Théopolis, qui veut dire la cité de Dieu ou la cité des dieux. Et que voyons-nous? Nous voyons ici le tracé en bleu de la constellation d'Orion, toujours Orion, qui revient insensément tout le temps. Donc je vous présente ici une nouvelle base, Orionis, qui est, elle, centrée dans le Pays Basque. Mais ce n'est pas la seule, il y a d'autres ailleurs, et nous sommes en train de les découvrir. Il y en a dans la région parisienne, il y en a bien sûr en Provence, il y a un petit peu partout en France des structures de base d'intelligence non humaine qui se révèlent petit à petit à nos yeux, car le temps est venu, rappelez-vous, le temps est proche. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils le sont. Alors, ce sont principalement des villages en Provence qui sont reliés comme la constellation de l'Aigle et qui est très important de travailler justement pour continuer les révélations de Saint-Jean de l'Aigle. C'est pour développer des nouvelles visions, développer des nouvelles énergies. Donc vous la voyez, elle est très simple. C'est une constellation de l'Aigle, une représentation dessinée sur la Provence en utilisant des villages comme Moustier-Sainte-Marie, Ops, et d'autres que je n'ai pas en tête parce qu'elle est très récente, on vient à peine de la tracer. Donc je vous prends ici